Je t'appelle quand vient la nuit et tu restes là. Malgré ma défiance, sous la souffrance, t'es pris sur mon âme. Un îlot de chaleur, c'est tout simplement quand les activités ou les constructions urbaines font que dans une zone plus ou moins vaste, les zones rouges sur la carte du Québec que vous voyez là. C'est une carte de la ville, puis tout ce qui est en rouge, c'est des îlots de chaleur. La température est plus élevée. Et ça, c'est de l'eau du robinet. Ça, c'est de l'eau du robinet embouteillée. Ou c'est de l'eau embouteillée de souche. La première ne goûtait pas le plastique, c'est juste ce que je sais. Oui, deuxième goûtait okay, le plastique. Le deuxième goûtait le plastique. Il y en a une qui est du robinet, il y en a une autre qui est du robinet. Embouteillé, mais que vendu du robinet, genre embouteillé. L'environnement, est-ce que c'est important pour toi? Ah, absolument. Je trouve que l'environnement, c'est, ça doit être important pour tout le monde parce que comme, si tu y penses, comme, l'environnement, c'est vraiment comme ce qui nous fait vivre. Ouais. Puis je pense que ça vient aussi à la maison. Je sais pas, moi, si je restais pas à la maison, pourquoi je resterais à l'école? C'est pas ça, je penserais, si ça commence à l'école, il faut aussi que la communauté, moi, dans ma communauté, il n'y a pas de recyclage qui se fait. Ben, tu peux le faire, mais c'est toi-même qui prends l'initiative. C'est pas une obligation. Et tu restes...